Aujourd'hui, on se retrouve pour aller en salon. Nous nous rendons au salon du bien-être animal Félinac, auquel nous étions déjà allés l'année dernière. On avait découvert l'année dernière et c'était déjà trop chouette. Et du coup, voilà, cette année, c'est le retour à Félinac. J'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Le petit chien est bien évidemment de la partie. Nous avons également Elise de la partie. Et voilà, on part sur une journée avec une météo discutable. L'année dernière, on avait eu très très chaud. Cette année, on part plutôt sur de la pluie. Donc bon, on espère qu'il va pas faire trop mouillé parce que quand même, Félinac, ça se passe beaucoup en extérieur et c'est trop sympa. Et donc on croise les doigts à ce niveau-là. Allez, c'est parti! On se retrouve le lendemain du salon. On est en balade avec cette petite boule de poils de l'amour. C'était cette année encore une super édition du salon. Franchement, les stands que j'ai pu voir étaient vraiment trop cool, tous plus géniaux les uns que les autres. Ce qui est trop cool aussi avec les salons, c'est que ça permet un peu de mettre un visage et une personne sur un nom de marque. C'est vrai que des fois, bah, y a des marques qu'on connaît, on voit un peu leurs publications sur Instagram, leur site internet, on connaît les produits qu'ils font. Mais de pouvoir rencontrer vraiment les créateurs, c'est trop chouette, c'est une super expérience et ça fait encore plus plaisir du coup de commander chez eux parce qu'on voit vraiment de qui ça vient en fait. Donc ça c'est vraiment un aspect des salons que je trouve particulièrement beaucoup trop chouette. En parlant de stand, je crois que je n'ai pas fait d'achat cette année. Si, j'ai racheté des fromages de mastication pour le petit chien. Et je suis également passée sur le stand de Piwipo. Alors c'est un semi-achat salon parce que c'est une commande que j'avais passée en avance et que j'avais réservée on va dire pour pouvoir venir la récupérer sur place. J'ai fait faire deux médailles en bois personnalisées, gravées pour Fanfan et Egon. Là, dernièrement, je me suis fait la réflexion que quand même, quand je sortais en balade, étant donné que Fanfan, des fois, je le lâche en liberté, et que Egon, même si normalement, je le lâche pas, on n'est jamais à l'abri d'un accident et qu'il peut avoir des réactions des fois un peu fortes, je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant qu'ils aient leurs petites médailles eux aussi. Du coup, ça y est, j'ai commandé mes médailles chez Piwipo et j'ai pu les récupérer sur place, sur le stand. Et si ça, c'est les seules choses que j'ai achetées vraiment sur place hier,
J'ai quand même fait un petit peu de repérage sur certains stands. J'ai pu voir certains produits en vrai, j'ai pu voir certaines marques en vrai. Et je pense que du coup, ça va me permettre de sauter le pas et de passer des commandes un peu plus tard. Donc ça, c'est trop chouette aussi. Et puis évidemment, Félinac, c'était l'occasion de revoir les copines, parce qu'on, c'est vrai qu'on se voit pas souvent. Les copines des ânes, on est déjà super éparpillées un peu partout en France. Et du coup, bah, on se voit essentiellement pour les événements de victoire, donc la randonnée, le CCEA. Mais du coup, bah, les copines du chien et des chiens d'assistance, je les vois à Félinac. Même si forcément en salon c'est des circonstances particulières, qu'on est concentré sur plein de trucs, qu'on a plein de trucs à faire, plein de trucs à voir. Mais déjà c'est trop cool d'avoir pu se revoir. Le gros bémol de cette édition malheureusement, ça a été la météo qui était vraiment pas de notre côté. Et encore, on a eu de la chance. Il a pas plu non plus à grosses gouttes. Globalement c'était toujours possible de sortir du salon. On a pu faire plusieurs fois des petits tours, des petites balades avec Télia pour se détendre. Mais c'est vrai que du coup toute la partie extérieure que j'avais énormément aimée l'année dernière, et ben, il y en avait pas du tout cette année. Je suis très fière de ce petit chien de l'amour. Les points qui nous avaient posé problème l'année dernière étaient vraiment mieux cette année. Le travail est encore loin d'être terminé avec Télia, elle est encore en formation, elle est encore en éducation. Et forcément, voilà, tout n'était pas parfait. Mais déjà, franchement, d'une année sur l'autre, je suis tellement heureuse de l'évolution qu'il y a eu. Il y a eu un truc en particulier qui nous a posé problème. Et j'avais absolument pas anticipé que ça poserait problème, parce que c'est quelque chose qu'elle a déjà vu, entendu plusieurs fois. Elle a eu peur des annonces au micro. Ça nous a un peu compliqué les choses. J'ai pas pu autant profiter que ce que j'aurais voulu. J'ai pas pu vraiment prendre le temps de voir chaque stand. Mais bon, c'est normal. Encore une fois, c'est un petit chien qui grandit, qui est encore en apprentissage et tout n'est pas parfait. Et j'ai aucun doute que l'année prochaine, ce sera encore mieux et que ça se passera encore mieux et que ce sera trop cool. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes allé à Félinac ce week-end. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez autant aimé ce salon que moi. N'hésitez pas à revenir l'année prochaine, j'y serai très certainement aussi. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Les copines des ânes, eh ben on se voit aux événements à une victoire la plupart du temps, à la randonnée. Tu me coupes pas comme ça, s'il te plaît.